Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Suite au feuilleton Longuet, surtout à sa torture, vous allez remarquer que, du coup, là, la manipulation a commencé. Il y a une vidéo qui circule avec une certaine voix. Il y a une vidéo qui circule avec une certaine voix où on vous dit, une vidéo, donc, on présente comme une vidéo qui annonçait. Donc, cette personne était au courant qu'on devait arrêter Longuet. Et pour cause, c'est qu'il faisait la transaction d'argent pour financer les ambazoniens. On montre une vidéo où ils sont en train de compter de l'argent, ainsi de suite, quelque chose comme ça. Mes chers frères et sœurs, nous sommes quand même assez lucides. Il est bien vrai que les Camerounais sont parfois aussi bouchés qu'on est prêt à leur faire gober n'importe quoi. Mais écoutez très bien la vidéo des sévices, de la torture de Longuet. Vous écoutez en même temps, et je vais vous mettre ici à partir d'une minute 40 secondes, que vous écoutez la conversation entre le commandant tortionnaire et Longuet. Ce qui vous dit que ça n'a rien à voir avec ce que on veut nous commencer là. Que c'est que wow, Longuet portait de l'argent pour donner aux ambazoniens. Le commandant parle d'une vidéo de ce qui a été dit, que nous disent qui lui a demandé de le dire. Longuet passe le temps à dire, j'ai toujours l'habitude de chanter comme ça, j'ai chanté, c'est mes thématiques. Il parle même de populisme, on lui demande est-ce que c'est un mot français et tout. Dans la conversation, vous n'entendez rien qui dit et qui montre qu'il y avait une tierce relation de transaction d'argent quelconque. Pardon, je m'excuse. Je ne veux plus jamais. Qui t'a envoyé? Donc, on sait qui t'a envoyé. Tu ne veux pas nous dire. Ok, allez-y, cessez-le. Café. Donc, la vidéo, la dernière vidéo, la dernière vidéo. La dernière vidéo. Ce sont mes thématiques, non, commandant. Il y a populisme, je t'ai dit. Du populisme. C'est un mot français. Oui, populisme. Quand je fais la vidéo, les gens apprécient. Moi, je fais la vidéo populiste. Moi, le gars, le pied. Je me suis interdit de mettre cette vidéo parce que elle est pour mes enfants. Voilà. Parce que tout ce que je publie, mes enfants regardent.
et je n'aimerais pas qu'ils soient traumatisés. Vous comprenez un peu. Je voudrais tout simplement vous amener à comprendre que quand vous suivez cette vidéo, cette discussion, est-ce que vous voyez un tiers rapport entre les ambazoniens et Longuet-Longuet? Ce qu'on veut l'amener à avaler, c'est ce qu'il dit dans ses prises de position et de parole que nous tous nous connaissons. Eh bien, mes chers frères et sœurs, quand je regarde bien ce qui se passe, je me pose des questions. Comment on peut torturer quelqu'un qui est en train de chanter les louanges du président de la République? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des tortionnaires? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des tortionnaires? Est-ce qu'ils prennent ne serait-ce qu'en compte de ce qu'il est en train de dire et savoir que on est en train de torturer quelqu'un qui est en train de chanter les louanges du président de la République, mais on le torture tout de même? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président de la République n'a pas une importance pour ces gens? Cela veut dire quoi, en somme? Qui sont les maîtres des lieux? Au-dessus de tout, c'est des lois qui comptent. Mais ne serait-ce que pour l'honneur du président de la République, là, si c'était pour lui, s'il était au courant même de ce genre de choses. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, nonobstant ceux qui peuvent me traiter de gens qu'on a retournés, de machin, je suis quelqu'un qui reste très intègre dans sa prise de position. De bon sens me parle. Si toi, tu as volé, je vais dire que tu as volé. Si tu n'as pas volé, je ne vais pas dire que tu as volé parce que comme j'ai des problèmes avec toi, hein, sur, je ne sais pas moi, des problèmes sur le travail et tout, dès que je vais entendre que tu as volé, je dis oui, tu es un voleur. Alors que je sais au fond de moi que tu n'es pas un voleur. Tu as tous les défauts du monde, mais tu n'es pas un voleur. Mais je dis, quand je regarde cette vidéo, je me pose la question, est-ce qu'un temps soit peu, si on respecte ce président de la République-là, on ne peut pas se dire, on ne peut pas ménager cette personne dont on torture pendant qu'il ne fait que chanter. J'ai chanté le président de la République, chanteur bien, ne connaît pas les marabouts et machin, tout et tout. Est-ce que Chantal Biya peut être en train de regarder cette vidéo de ce Longuet-Longuet qui chantait sa gloire, voir que c'est le régime de son mari qui est en train de torturer celui qui vante, qui chante ses louanges. Il y a un imbroglio, il y a des choses incompréhensibles. Mais comme je vous le disais, lorsque vous faites une analyse de la situation, vous comprenez une seule chose. C'est que il y a un groupuscule qui a le pouvoir. Et ma foi, ce pouvoir qu'ils exercent même sur du même Paul Biya et son entourage, en fait, du Paul Biya. Ce pouvoir, ils l'exercent parce qu'en réalité, le père a fabriqué un monstre ou des monstres qu'il ne contrôle pas plus. Et que de toutes les façons, ces monstres l'utilisent pour opérer en bas. Voilà, tout en sachant que c'est lui, Paul Biya et son entourage. Mais si Paul Biya lui-même est capable de comprendre ça, alors tant mieux. Et lorsque je dis, j'étais ce que je dis avec des exemples. Qui se souvient encore de Bapes Bapes? De feu Bapes Bapes, l'ancien ministre de l'éducation, je crois, secondaire et tout. Bapes Bapes s'est retrouvé en prison. Un des amis de Paul Biya, Paul Biya n'étant pas au courant. Vous vous souvenez de ça? Et c'est quelque part à l'aéroport, toujours quand il est en train d'aller au travail, parce que lui travaille à l'étranger, qu'il est au courant, selon ce qu'on le dit, il est au courant dans l'avion que Bapes Bapes a été arrêté. Il dit, ce n'est pas vrai ça, libérez-moi la personne. Cela veut dire, il y a un contre-pouvoir dans ce pays. Allez donc savoir les qui. Bonsoir.